Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre premier pipeline. On déroule petit à petit les choses, on est toujours sur l'aspect, alors on avait une grande partie théorique qui s'intéressait donc aux objectifs de cette formation, aux objectifs du DevOps, qu'est-ce qu'on entend par le DevOps, quelques définitions, des définitions autour des outils qu'il va nous falloir aborder pour qu'il nous a fallu aborder en tout cas et que l'on va aborder d'ailleurs pour établir ce fameux pipeline DevOps automatisé. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la partie infrastructure. Donc on avait vu pas mal de choses déjà. On avait vu ce qu'était un pipeline, donc avec les définitions. On a vu aussi le Git Flow précédemment et aujourd'hui donc on va s'intéresser à une première vidéo sur l'infrastructure, pardon. On en aura deux. Donc notre infrastructure, donc c'est le but de la vidéo aujourd'hui. De quoi va-t-elle être composée et pourquoi? Donc notre infrastructure elle va être composée de 6 serveurs. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Un premier serveur qui va être un serveur Jenkins. Sur ce serveur Jenkins, il va nous falloir Docker d'installer, quoi, Jenkins bien sûr, Docker, Docker Compose et Ansible. C'est à peu près quoi, c'est la machine la plus élaborée parmi toute l'infrastructure qu'on va mettre en place. Ça, vous allez voir, on va le faire ensemble, hein, ça va être assez simple. Et on va scripter tout ça, donc on utilisera Vagrant, ça sera le but de la vidéo suivante. Donc cette machine Jenkins, ça va être vraiment la machine un petit peu centrale, celle qui est vraiment la machine qui va organiser les choses et qui va déployer vraiment l'ensemble des choses. À côté, on va avoir une machine dédiée à GitLab. Alors, on dédie une machine à GitLab parce que tout simplement GitLab est un petit peu consommateur en ressources, il y a beaucoup de choses qui tournent sur GitLab. Le but, alors au début, j'avais commencé à faire une série de démos avec GitLab.com, donc le site en ligne. Et puis je me suis dit, bon, en fait, quitte à avoir une infrastructure qu'on peut embarquer un petit peu partout, bah, autant avoir son propre GitLab et le CT et le René exclusivement pour ce pipeline. Donc c'est ce qu'on va faire également. Ça a pas mal d'avantages. En plus, ça permet de regarder comment installer GitLab. Enfin, bon, c'est très très simple, il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Ensuite, on va créer une machine base de données. Donc, on va avoir un applicatif, on le verra beaucoup plus, quoi, un peu plus tard. Cet applicatif, bah, le but c'est qu'il soit pas tout seul, quoi. En tout cas, pour fonctionner, il faut qu'il ait au moins une dépendance. C'était ce que je souhaitais. En l'occurrence, sa dépendance ce sera un serveur base de données PostgreSQL, et donc on aura une machine dédiée à cela. Ensuite, on va avoir trois machines exactement similaires. Une machine qu'on va considérer de dev, une machine de stage, une machine de prod. Toutes les machines, donc l'ensemble ici, hein, même si je ne l'ai pas mis partout, c'est des Debian 10 qui auront un accès SSH classique de Vagrant. On va les citer ensemble, on verra ça dans la vidéo suivante, quoi, dans les vidéos suivantes. Alors le schéma il est très simple. Première chose de ce que l'on va vouloir faire, donc c'est avoir cette fameuse machine centrale, Jenkins, qui va être capable de récupérer et de pousser des choses vers le GitLab. Et à partir de ces éléments déposés au niveau du GitLab, de pouvoir jouer donc en l'occurrence du Ansible sur les machines distantes, les machines de dev, prod et stage. Donc via du coup c'est du Ansible, donc via juste des connexions SSH. Et tout cela décrit donc dans des playbooks et des rôles Ansible. À côté, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir donc ce code applicatif qu'on va stocker bien sûr dans le GitLab, et on va avoir besoin, nous, on va utiliser Docker comme moyen de, on va dire, de livraison. Donc Docker en mode Docker host. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'une part, quand on va avoir buildé notre code, pardon, avec notre Jenkins, on va le pousser dans une image, toujours au niveau du Jenkins. Une fois que cette image va être construite, on va la pousser dans une registry Docker. Ensuite, nos rôles Ansible, là qu'on vient de voir ici, qui vont jouer à distance l'installation des machines, dev, stage et prod, donc des machines plutôt l'installation de l'applicatif, bah, vont venir, donc ce Ansible va venir chercher
dans cette registrie les images nécessaires pour installer des applicatifs à ces endroits-là et récupérer quelques fichiers au niveau du GitLab. Bien sûr, comme je vous le disais, ce que je voulais, c'était avoir une dépendance, notamment, quoi, au moins une dépendance, en l'occurrence, on a un serveur base de données ici, qui va aussi recevoir un rôle Ansible, qui va jouer des tâches sur ce serveur base de données, puisqu'en fait, quand on veut installer notre applicatif, on veut installer aussi les comptes nécessaires pour que l'applicatif puisse fonctionner, que ce soit du dev, du prod, de la prod ou du stage. En l'occurrence, petite précision, normalement, on devrait avoir trois serveurs, un pour chaque environnement de base de données. Là, j'ai pas voulu démultiplier les machines parce qu'au niveau ressources, ça consomme un petit peu, donc on va pas s'amuser à ça. Mais de fait, on a un serveur base de données et on va avoir trois bases de données, une pour chaque environnement, donc dev, recette, stage et prod. Donc tout ça, ça va être géré par Ansible. Et à chaque déploiement, on fera en sorte de vérifier que notre base de données ici est bien prête, existante et prête à recevoir et prête à être compatible avec notre applicatif. Donc nous, on va utiliser Ansible, on va utiliser Vagrant, on verra ça dans la vidéo suivante. Vagrant et VirtualBox, qui sont deux outils plutôt pratiques pour déployer de la machine virtuelle. L'avantage de Vagrant, c'est qu'on va avoir des fichiers descriptifs pour chacun de nos serveurs. Donc on va avoir un fichier unique descriptif de cette manière-ci. On va pouvoir jouer dedans des scripts, quoi, lancer des scripts shell qui vont installer les spécificités de chacun des serveurs. Voilà. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Le but aujourd'hui, c'était de voir cette fameuse infrastructure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, on pourra la compléter, aller plus loin plus tard, mais dans d'autres saisons de ce volet pipeline DevOps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Vous êtes nombreux maintenant à vous abonner, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.